Salut les loustiques, c'est Van Axel et bienvenue dans un passionné de musique découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux, il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui je voulais découvrir un groupe avec vous, donc j'ai été contacté par Alain Barbarossa, le guitariste de Rising All Star, groupe de la Riviera française, donc du côté de Cannes, qui mélange un peu hardcore et new metal, donc curieux d'écouter ça. Donc ouais, je m'attends un petit peu à un truc qu'on retrouve un peu dans le style de par exemple Rise of the North Star, tu vois, un peu mélangeant les influences hardcore un peu old school et un côté un peu plus moderne dans leur musique, donc voir un peu s'ils nous envoient dans ce genre de délire, donc je suis curieux d'écouter ça. Donc on se fait ça sans plus tarder, Rising All Star avec leur morceau Number One sorti il y a quelques temps, mais c'est un peu leur clip fer de lance, donc on va se faire ça sans plus tarder. Allez, c'est parti. On a un beau clip en 50 fps là, magnifique. Le bûcheron, ça coupe du bois. Oh chien. Let's go. Ma choupette. Ça me termine le clip bien homemade et bien... Oh là, c'est cool. Ok, en anglais. Ok, tranquille, la basse qui s'impose là. Et là on a le groove un peu, ouais, entre le hardcore old school et le new metal. Oh oui! Oh, il a mis la borate. Oh oui, ça slap, j'aime bien ça. J'aime bien l'omniprésence de la basse qui slap, bien old school, bien groovy. Ok, les backing vocals à la hardcore un peu. C'est simple mais tellement efficace. Même les outfits, tu vois, un peu street. Bah si, ce qui me fait penser à Phil Deal, bah c'est de Korn un peu, tu vois. On voit qu'ils ont écouté ça en étant jeunes. Oh, les problèmes. Il est stylé ce shot. Non, la bagarre. Aucun enfant a été maltraité dans le tournage. Hein. Ou peut-être, je ne sais pas. Tu vois qu'ils se font kiffer, tu vois. Très old school là. Elles vous ont suivi, hein, elles ont pas le temps.
c'était marrant. C'est marrant le clip aussi. Donc c'était Number One, The Rising All Star. Donc big up à eux. C'était, c'était très 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 cool. J'aime bien ce qu'ils nous ont proposé. C'est, ils se font plaisir, tu vois. J'ai cru voir un guest dedans. Quelqu'un que... Ouais, il y avait bien le gars de Dealer de Metal, du coup. C'est comment son nom d'ailleurs, je crois qu'il est crédité, donc Aziz il me semble. Qui fait pas mal de trucs sur le métal en France et tout ça. Il fait des vidéos sympas de temps en temps, bon de temps en temps un peu clickbait, mais très sympa de le voir là. Donc ouais, très très cool. Je sais pas s'il y a d'autres... Ouais, il y a la liste des guests, il y a des gens que je connais pas forcément. Mais c'était cool de voir un petit peu, de voir sa gueule dans le clip. C'est vrai qu'il est, il est du côté, il est du côté du sud. Ça change de la grisaille de chez moi. Mais en tout cas, c'était un super morceau, c'est efficace. Classique, tu vois, dans le sens... enfin, classique presque, même plus classique, parce que c'est old school, tu vois. C'était bien amené, bien fait, bien produit. Tu sens que c'est indépendant, tu vois, forcément. Mais ça fait plaisir, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont pas dans une tendance actuelle, ils sont plus dans piocher des trucs qu'ils avaient aimé dans le new metal. Je trouvais que le bassiste, il avait un peu un look et même un jeu assez slappé à la Fieldy de Korn dans son délire. Je trouvais que, tu vois, ça jouait, c'est des riffs simples, mais c'est efficace, un peu de ce qu'on entendait à l'époque, un peu hardcore, Hatebreed, tu vois, ou même un peu avant. Des trucs vraiment rentrent dedans, efficaces, pas de mélodie, on n'est pas là pour ça. On a la voix un peu rappée. En fait, on est un mix entre le nu metal début 2000 et un peu le hardcore qu'on avait années 80-90. Et ils font ça plutôt bien. Et effectivement, on se rapproche également de ce que font des mecs comme Rise of the North Star. À part que Rise of the North Star, maintenant, ils ont une production complètement folle. Donc c'était une super découverte pour ma part, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner de la force au groupe. Et moi je vous dis à la prochaine, les loustiques. Ciao, des bisous!